Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, vidéo importante car c'est une nouvelle machine. Alors on est sur une machine, n'ayons pas peur des mots, dans la gamme des machines automatiques, on est sur la EQ9 Wi-Fi Home Connect de chez Siemens. Alors vous allez me dire, c'est une machine automatique comme une autre. Ok, d'accord, très bien. Sauf qu'elle a quelques particularités qu'on va voir ensemble. Alors pour voir ce produit, n'hésitez pas à voir ça dans la description. En dessous, vous aurez des liens vers notre site, etc. Facebook, vous verrez tout ça. Vous verrez à quel point on aime le café, à quel point on aime le monde du café. Vous aurez des vidéos consacrées au café manuel, aux machines manuelles, où là, on a tout l'art de peser, de voir un peu comment faire un expresso. Là, on est dans la machine automatique sans concession. Elle a tout. Alors, c'est parti pour quelques descriptifs. Également sur ce petit display, quelques cappuccinos et on va bien évidemment préparer du café. C'est parti. Alors, on connaît évidemment, on a des machines en magasin. Les personnes qui nous disent en magasin, oui, mais quand une machine à grains, une machine normale, une machine comme on a cette super machine Siemens ici, la EQ6, on n'a qu'un seul réservoir à grains. Et si j'ai envie de changer parce que moi j'ai différents goûts, ou alors ma femme elle a trouvé du grain décaféiné, on a trouvé d'autres endroits, moi j'ai différents goûts pour le café du matin, on commence à devenir un peu amateur de café, on commence à sentir les goûts, moi je préfère un Arabica le soir, je préfère un Robusta, on commence à mélanger les plaisirs. Personnellement, vous connaissez un peu mes goûts, si vous regardez les vidéos, j'aime beaucoup le Maragogip qui est un excellent grain, pour moi 100% Arabica, mais vous avez ici deux moulins. Deux moulins totalement séparés, donc deux réservoirs séparés, dont deux moutures différentes. Donc là, c'est vraiment, on pourrait imaginer un côté pour monsieur, un côté pour madame, ou alors un côté pour le café du matin, un côté pour le café de l'après-midi. Donc là, on est sur le plaisir complet. Une machine full option, sans aucune concession. Vous avez également, en plus de ces deux réservoirs à grains, une petite trémie pour le café moulu, une tasse à la fois. Comment sélectionne-t-on les deux moulins? Vous allez me dire à quel moment. En fait, vous avez simplement au-dessus, ici, des petites diodes. À gauche, c'est éclairé, vous utilisez le moulin de gauche. À droite, c'est éclairé, vous utilisez le moulin de droite. Alors, petit truc rapide, la trémie n'est que pour le moulin de droite. Il fallait bien en choisir une, donc voilà. Vous l'avez à ce moment-là dedans. Chauffe-tasse au-dessus. Voilà, ça c'est pour la partie haute. Très important, je vais vous montrer, venez voir sur le côté. Le réservoir, immense, plus de 2 litres ce réservoir. Vous le penchez, il reste. Ok? Vous savez remplir facilement. Vous avez une poignée, vous le sortez. Hops. Et vous avez votre réservoir. Finition en inox. Donc on est vraiment de nouveau sur une machine sans concession. Attention, le geste que je vais faire ici est très très important. C'est juste pour vous montrer, parce que sinon je devrais faire réchauffer la machine. On peut et on doit nettoyer son groupe café. Vous y avez accès. On ne peut nettoyer le groupe café que si la machine est éteinte de manière automatique, donc vous devez appuyer sur le bouton, elle va s'éteindre, faire un processus d'extinction, de rincer et vous débranchez votre machine. Ne jamais manipuler le groupe café, la machine branchée. Donc, vous savez donc accéder au cœur de votre machine. Un bon entretien du cœur de votre machine, donc du groupe café, permet de ne pas avoir de résidus de café, permet de ne pas avoir de mauvaises odeurs, permet de ne pas avoir un goût de brûlé. Donc c'est très très important de toujours bien entretenir. Cette machine permet de tout faire. Si on descend encore un peu, on va décrire l'écran évidemment. Réglage, hauteur de tasse, vous vous en doutez. Bac récolteur, aussi bien de l'eau de condensation, bac récolteur de l'eau et également des mares du café, donc des cakes de café. Cette machine est également Connect, Home Connect avec l'application que vous avez chez Siemens Home Connect. Vous avez déjà vu des vidéos, on a fait ça à Batibo chez Bosch, mais c'est plus ou moins la même chose. Donc en fait, vous avez une application qui vous permet de démarrer votre four, de démarrer votre lave-vaisselle, de pouvoir commander votre machine à café. Donc c'est vraiment la connectivité totale dans ce genre de machine. Donc votre machine à café est vraiment hyper connectée. C'est vraiment très très sympa. Vous accédez aussi à un monde de café avec des recettes internationales que vous pouvez vous amuser. Donc c'est vraiment très complet. On travaille ça bien évidemment en Wi-Fi. Au niveau de l'écran, au niveau des fonctions, très simple. La mise sous tension, donc ce sont des machines simples qui ne demandent pas trop de... C'est pas trop complexe à fonctionner. Vous avez évidemment jusqu'à 10 profils pour créer votre profil parce que moi je suis habitué à avoir mon ristretto de entre 18 et 20 ml à une certaine température parce que oui, vous savez régler la température de chaque café ainsi que le millilitre de chaque café. Alors, ça ce sont les profils. Vous savez aller sur ristretto, vous avez ici un expresso doppio, double. Vous avez un expresso, selon les 650 ml. Voilà, vous savez diminuer si vous le souhaitez, jusqu'à 35 ml par exemple. Ensuite, les goûts, les couleurs, tout ça vous ferez à votre façon. Expresso avec macchiato, donc avec un petit nuage de lait sur le dessus. Vous avez donc un café crème.
Vous avez un cappuccino, un latte macchiato qu'on va faire tout à l'heure. Vous avez également un café au lait, donc du café et du lait un peu pour le matin. Donc tout simplement, vous connectez votre réservoir à lait et il va le faire automatiquement. Donc on est vraiment sur un système en un one touch function. Donc c'est vraiment en un coup, il fait tout lui-même. OK ? Pas de connexion, etc. Petite précision, c'est un réservoir simple paroi. Donc vous pouvez le mettre au frigo, ça tient un jour, sinon le reste du temps, prenez bien soin de le remplir et de bien entretenir les réservoirs à lait. Continuons ici. Évidemment, la mousse de lait, vous mettez une cruche et il va directement vous donner de la mousse et vous faites votre cappuccino vous-même. Vous savez à quel point j'apprécie également le fait de faire le cappuccino à l'ancienne, mais pour ceux qui n'ont pas envie mais quand même déguster un bon cappuccino, celle-ci le fait. Le lait chaud, on continue, vous voyez que l'écran est quand même full couleur. Eau chaude, évidemment, pour ceux qui souhaitent du thé. OK. Vous avez également le choix ici de la température jusqu'à 70 degrés. Fonction cafetière, bien évidemment, quand vous recevez beaucoup de gens, des fois, c'est pas très agréable de passer son temps à en faire 10, 12 cafés, expresso, ristretto, parce que quand les gens savent que vous avez ce genre de machine, vous devenez le barista de la maison, donc vous êtes tout le temps devant la machine. Vous pouvez très bien faire un très grand café, OK, et à ce moment-là, vous avez vraiment une cafetière et vous servez ça à table. Donc, elle est multifonction. Et vous avez la connexion au Coffee World. Alors, vous avez tout d'abord ici la petite image du grain. Vous savez régler extra fort, double shot, donc très fort, fort, fort plus, voilà. Et vous avez également un double shot fort plus. Pour dire OK, vous appuyez au milieu du bouton. Très bien. La température, 90 degrés, 92 degrés, 94 degrés, 95 degrés, on y va à fond, 95 degrés. Et vous avez ici, normal ou intensif, c'est au niveau de la pré-infusion. Donc, beaucoup de grains et une grosse pré-infusion. On est sur 60 millilitres, personnellement, on va le mettre ici en 55 millilitres. Quand vous êtes d'accord avec ceci, vous placez votre tasse. Toujours bien de la mettre sur le chauffe-tasse ici. OK. Je voulais vous faire écouter, c'est une machine extrêmement silencieuse, carrosserie en inox, donc c'est très impressionnant. Vous n'allez pas réveiller votre famille ou alors si elle est au bureau, par exemple, vous n'allez pas faire trembler les bureaux dès que la machine va se mettre en fonctionnement. Donc c'est vraiment une machine extrêmement silencieuse. Ici, j'avais opté pour le moulin de droite, sans aucun problème. Tout à l'heure, on optera pour le moulin de gauche. Et vous allez voir le résultat. Quand vous l'avez neuf chez vous, c'est très important. À partir de 3 à 4 cafés, la machine est prête à fonctionner. Parce que vous savez qu'au départ, les moulins doivent un peu se régler. Ici, après 3-4 cafés, c'est bon, c'est parti. Pré-infusion, j'ai demandé très intense. Vous voyez que le café sort très noir. On a été très loin. C'est pour bien vous montrer jusqu'où cette machine peut aller. Mais de nouveau, elle s'est réglée un café très fort comme un café très léger. C'est pour tous les goûts. Au niveau du grain, vous le savez, vous l'avez compris avec deux moulins, comme au niveau de l'intensité du café. Donc, expresso, très intense, on est sur 55 millilitres. Pour ceux qui aiment le café très intense, c'est parfait ceci. Mais il est effectivement très fort. Donc, continuons. On va partir évidemment sur le plaisir absolu, le latte macchiato. On va faire ça dans un verre transparent. Et vous allez voir à quel point c'est extrêmement facile avec la réservoir à lait. Alors ici, on va s'amuser un petit peu avec les températures. J'ai envie de monter un peu en température jusqu'au 96 degrés. Allons à fond. OK. Donc là, on est sur la quantité de lait. 70%. C'est juste pour changer. Maintenant, tout ça, vous devrez vous amuser chez vous. On est sur normal, intensif plus. On va mettre normal. Et j'ai un verre un peu plus petit. On va descendre en 200 millilitres. Évidemment, vous pouvez arrêter à chaque fois. C'est parti. Je fais une petite attention. Excusez-moi. Ici, deux tasses. Vous savez faire donc deux fois la recette. Vous n'êtes pas obligé de relancer. Automatiquement, celle-là, je la veux deux fois. Voilà, tout simplement. C'est parti. Écoutez bien, j'ai changé le moulin. Je suis passé sur le moulin de gauche. Le silence. Donc très, très silencieux. Je vous montre également, les réservoirs à grains ont ceci qui est hermétique, okay, qui permet de bien conserver. Ils ne sont pas trop grands, on est dans les 200 grammes de café. Alors, on laisse tout faire à la machine. Vous ne touchez strictement à rien. Ici, vous voyez grâce à l'écran la progression. Elle a juste le temps nécessaire, juste le temps nécessaire pour que le lait se sépare de la mousse et que le café vienne s'intercaler pile poil entre les deux.
mais voyez ce que vous présentez. Donc, c'est pour les gens qui souhaitent avoir la facilité, le choix, les fonctions très, très développées, mais pas commencer à chipoter. Donc, vraiment quelque chose de facile. C'est extrêmement intuitif. Vous n'avez pas à vous tracasser de comment ça fonctionne. Vous voyez qu'en quelques secondes, vous avez tout compris. D'autant, c'est en couleur et c'est écrit en français. Vous avez également plein de langues. Hein. Vous avez un menu que vous savez accéder dedans au niveau des langues. Donc, vous savez vous amuser à votre aise. N'hésitez pas à faire des expressos, des macchiatos, des expressos macchiatos, de l'eau chaude, des cappuccinos. Cette machine permet une multitude de possibilités en simplement une touche. Très important, n'oubliez pas de bien nettoyer votre réservoir à lait, c'est important. Je répète des choses des fois qui peuvent paraître basiques ou toutes bêtes, mais c'est bien toujours de travailler avec le café quand la machine est toujours bien propre. Et en bon entretien permet, outre de ne pas avoir de soucis, mais d'avoir un goût exceptionnel au niveau du café. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à partager ça sur les réseaux sociaux. Plus de liens dans la description de cette vidéo. Facebook, YouTube, Pinterest, des pouces en l'air, des commentaires. Partagez tout cela et rejoignez-nous dans le plaisir du café, dans les machines à café. Laissez des commentaires également. N'hésitez pas également à les commander en ligne. Bien évidemment, on est là également pour que vous puissiez vous amuser avec ce genre d'appareil chez vous. Rejoignez-nous en magasin, vous aurez plein de conseils. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !